Rémi Zéré, prise à la générale de carrière et de mines, Guy Robert Lukamba, nouveau président du conseil d'administration de cette entreprise minière de la République démocratique du Congo et toute son équipe vient de prendre leur fonction. La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu ce jeudi 2 mars 2023 à Kinshasa. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre, le sommaire de cette grande édition d'information. Bonsoir et bienvenue à ces journaux. Après sa nomination par ordonnance présidentielle du 28 février dernier, la nouvelle équipe dirigeante de la Générale de Carrière et de Mines, GECAMINE, a officiellement pris ses fonctions. C'était en présence de directeurs de services et représentants du gouvernement. La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu ce jeudi 2 mars 2023 à son siège à Kinshasa Gombe, Edouard Funda et Ringpungwe. Tenu par visioconférence pour garder contact avec la direction générale de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, cette cérémonie de remise et reprise entre le comité directeur entrant et sortant de la GECAMINE s'est d'abord ouverte par la tenue de la dernière réunion du conseil d'administration dirigée par les comités sortants. Ensuite, s'est ouverte la remise et reprise proprement dite, une étape importante au cours de laquelle s'est fait le transfert du pouvoir. La nouvelle équipe dirigeante est composée de Guy Robert Lukamangonzi, Placide Kalaba Sidiwa et Jacques Massangou Mwanza, respectivement président du conseil d'administration, directeur général et directeur général adjoint chargé des finances. À la fin de ces échanges, le président du conseil d'administration s'est, au nom de la nouvelle direction qu'il dirige désormais, exprimé en ces termes. En fait, il a été question aujourd'hui de rendre conforme dans les organes statutaires de l'entreprise la volonté exprimée par le chef de l'État qui a aujourd'hui donner une ordonnance nommant un nouveau conseil d'administration de GECAMINE. Eh bien, ce nouveau conseil d'administration a été installé par un conseil d'administration prioritaire qui a d'abord convoqué une assemblée générale où l'actionnaire s'est exprimé entérinant l'ordonnance du président de la République du 25 février et le premier conseil d'administration a été tenu afin de nommer chacun dans ses responsabilités conformément à la volonté du chef de l'État. Le gardien de la légitimité et de la crédibilité de la GECAMINE auprès du gouvernement a à cette même occasion adressé un message d'espoir et de progrès aux agents et cadres de la Générale des Carrières et des Mines. Je voulais vous dire une chose, c'est que je crois que le message premier, c'est que le président de la République tient à la GECAMINE. Elle ne veut pas la voir sombrer. Elle veut la voir redevenir une entreprise forte, une entreprise qui contribue à structurer l'économie nationale. Le conseil d'administration qu'il a mis en place mélange à une part d'expérience et de jeunesse. Il y a une réelle audace de la part du président de la République de pouvoir combiner cela afin de donner du dynamisme à la mission qu'il nous a donnée. C'est une mission de dur labeur, de remettre en ordre la GECAMINE, de pouvoir compter ses surpiliers de développement de son potentiel géologique, de pouvoir mobiliser les moyens financiers dont elle est capable à travers ses partenariats et sa production et sa commercialisation de manière plus efficiente et surtout valoriser le capital humain, ses actions sociales à travers une organisation totalement transformée qui permettrait à ce moment-là d'avoir une meilleure productivité, d'avoir des meilleurs produits. Considéré comme l'un des poumons de l'économie du pays, les nouveaux comités exécutifs de la GECAMINE restent déterminés à offrir un nouveau souffle à cette entreprise publique. Une réunion des membres du nouveau comité a sanctionné la fin de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence des représentants du gouvernement et de la présidence de la République démocratique du Congo. Quittant la province de Kinshasa pour la ville de Goma, où séjourne une délégation de la SADEC chapeautée par le chef d'état-major général de la Namibie. Cette visite de travail a pour objectif d'évaluer la situation sécuritaire en province pour prendre des mesures en vue d'imposer la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo qui est en proie aux violences pendant plusieurs décennies. Suivez cet extrait choisi par Dieudonné. We are here on a mission that has been sanctioned. Nous sommes par le SADC head of state dans la mission qui a été sanctionnée par les chefs d'État de la SADC. In our efforts to assist our brothers and sisters of the DRC, dans les efforts d'assister nos frères et sœurs de la RDC, to find peace and security
afin de trouver la paix et la sécurité in this part of the DRC. En cette partie de la RDC. So our mission is basically to assess the security situation. Alors notre mission c'est évaluer la situation sécuritaire prevailing in the eastern DRC, qui prévaut dans l'est de la RDC, particularly North Kivu, particulièrement dans la province du Nord Kivu. And report our findings to our heads of state. Et rendre rapport de nos résultats aux chefs d'État. Et puis, visite du président français Emmanuel Macron à Kinshasa, la capitale. L'administration Tshisekedi veut une position claire de Paris sur l'agression d'un sous-couvert du mouvement terroriste M23. C'est le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui l'a dit hier devant la presse. Suivez-les dans cet élément réalisé par Fiston Leko et Stanis Samba. Et il y a une bonne chose dans ce que le président Macron compte faire, c'est qu'il compte venir à Kinshasa. Et à Kinshasa, on va l'accueillir tel que nous sommes, un pays démocratique où lorsqu'il y a des opinions divergentes, les opinions s'expriment. Mais l'opinion congolaise veut que sur cette question de la sécurité, qu'il soit plus clair. Il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. Le mal est connu, il faut le nommer par son nom. Après, il y a la diplomatie, parce que la France, depuis le début, s'est proposée de faire des bons offices. Et il semble que lorsque vous faites des bons offices, il ne faut pas épingler l'une ou l'autre partie. Mais ce n'est pas ça que l'opinion congolaise attend. L'opinion congolaise attend de la France un engagement clair pour le retour de la paix, condamner le Rwanda et prendre des mesures contre le Rwanda pour que le Rwanda cesse d'agresser la République démocratique du Congo. C'est bien clair, ça c'est l'agenda congolais au point de vue de la situation sécuritaire. Parlons toujours de cette visite d'Emmanuel Macron à Kinshasa qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive. La dernière réaction est celle du mouvement de la société civile dans Lucha qui a d'ailleurs manifesté devant même l'ambassade de France en RDC. Ces mouvements dénoncent les silences de la France qui n'est dit mot quant à l'agression de la République démocratique du Congo par son voisin le Rwanda sous couvert du M23. Déclaration par Jacques Isongo, communicateur de ces mouvements de la société civile. Il a été joint par Patience Lokeke au téléphone. Notre manifestation et notre refus se justifient par le fait que M. Macron, qui est président de la France et membre de la communauté internationale, se taise sur l'agression rwandaise sur le sol congolais. Et à l'occurrence, cette communauté internationale et la France soutiennent le Rwanda qui agresse la RDC. Ils soutiennent le Rwanda en lui octroyant des subventions et beaucoup d'argent, bien sûr, pour des intérêts inavoués. Raison pour laquelle nous estimons que cette personne qui collabore avec notre ennemi ne peut venir dans notre sol. Voilà ce qui justifie notre colère et notre indignation face à l'arrivée de M. Macron dans notre pays. Et d'ailleurs, si nous allons un peu plus loin, nous estimons que la RDC pouvait même claquer la porte de certaines organisations liées à la France, dont la francophonie. Retour à Goma, où le jeune membre de mouvements citoyens et groupes de pression sont sortis dans les rues pour dire non à l'arrivée du président français à Kinshasa, des routes barricadées, pneus brûlés. Ces jeunes ont appelé à une journée ville morte ce jeudi 2 mars à Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Enoch Issei. Dans leur message, ces différents membres de mouvements citoyens reprochent publiquement à Emmanuel Macron de s'être gravement compromis en se mettant du côté de l'ennemi numéro 1 de la République démocratique du Congo, Paul Kagame. Ces membres des mouvements citoyens qui entrevoient cette visite de Macron comme une façon de négocier les intérêts de Kigali annoncent à cette occasion des sittings illimités devant le consulat de la France à Goma pour, selon eux, dire non à cette visite et à son rapprochement avec Kigali. Ils ont
expliqué que les drapeaux russes entre leurs mains signifient que la RDC n'a pas besoin de la France mais plutôt de la Russie ou la Chine comme partenaire. Pour rappel, les présidents français arrivent à Kinshasa ce samedi 4 mars prochain. Il faut dire qu'outre la RDC, la visite du président français prévue du 1er au 5 mars 2023 commencera par le Gabon 1er au 2 mars, puis en Angola et la République du Congo le 3 mars avant l'étape de Kinshasa. Changeant de chapitre, c'est la fin d'une semaine de formation de formateurs pendant 3 jours à la Direction générale des douanes et accises dans le cadre d'une campagne pour la prévention et la lutte contre les antivaleurs dans les activités douanières en RDC. Initiée par la Coordination pour le changement de mentalité CCM, le ministère de Finances et la Direction générale des douanes et accises, cette formation s'est clôturée avec une note de satisfaction de bénéficiaires qui se sont dit transformés. Fiston Leko, Stanis Samba. Pour les agents et cadres de la Direction Générale des Douanes et Accises, DGD en sigle, cette formation de 3 jours à l'hôtel Memling sur les hyperguides et le cahier spécial du chef de l'État sur la lutte contre les antivaleurs leur a permis de se sentir être doté d'une nouvelle mission. Je vais être très honnête, au nom de plusieurs collègues, nous avons échangé pendant ces 3 jours. Très honnêtement et humblement, nous avions des préjugés, on doit vraiment vous le dire, en toute sincérité, au regard des thématiques telles qu'elles étaient formulées. Mais très honnêtement, nous devons vous dire que nous avons été agréablement surpris. Le contenu était extrêmement interpellateur. Je pense que, bien au-delà de l'interpellation, il y a eu ce sentiment de faire partie d'une mission, de se sentir, je vais peut-être oser le mot, il y a une dimension de revalorisation. S'adressant aux participants, la Direction Générale de la DGDA attend de son personnel une mise en application optimale de tous les modules suivis pour mettre fin aux antivaleurs qui gangrènent le secteur douanier, le tout pour le bien-être des Congolaises et Congolais. J'ose croire, chers participants, que tous ces enseignements ne sont pas passés dans les oreilles de ceux. Raison pour laquelle je demande aux uns et aux autres de les intérioriser et de porter haut ce message de grande portée dans le souci de bannir les antivaleurs et d'aider notre cher et beau pays d'aller de l'avant. Dans le processus de la lutte contre les antivaleurs, la RDC privilégie 2 approches, a dit le responsable de la Coordination pour le changement de mentalité, CCM en sigle. Il s'agit de la justice et la prévention. Cette formation rentre dans le cadre de la 2e approche qui est préventive. Cette formation a été l'occasion pour tous les participants, de se recentrer sur la mobilisation publique dans le secteur de finances publiques, de manière à armer le formateur de formateurs de la Direction Générale des Douanes et Accises contre les antivaleurs de tous ordres qui ont été souvent une pesanteur contre la mobilisation accrue de recettes dans nos régies financières. Du 27 février au 1er mars 2023, les formateurs des formateurs de la DGDA ont été outillés sur la prévention et la lutte contre les antivaleurs à travers des modules de changement de mentalité et de comportement, éthique de responsabilité, la gestion des conflits et gestion des crises, ainsi que la communication, le patriotisme, le civisme et la citoyenneté. Ce sont ces formateurs qui répercuteront ce qu'ils auront appris dans toutes les représentations de la DGDA sur l'ensemble du territoire national. Juste après les différentes allocutions, ils ont reçu des brevets sanctionnant ce séminaire. Démolition de constructions anarchiques à Kinshasa. L'opération coup de poing menée par le gouvernement provincial s'est poursuivie ce jeudi demain 2 mars sur l'avenir de l'université, tel qu'annoncé par le commissariat général en charge de l'environnement et aménagement de la ville dans son dernier communiqué. Kiosques, garages et maisons qui se trouvent dans l'emprise publique ont été démolis. Encore une fois, Enoch Issé. L'avenue de l'université ainsi que ses environs respectifs ont vu le bulldozer de l'hôtel des villes de Kinshasa casser, démolir et débarrasser les emprises publiques de toutes les constructions anarchiques. Il est également question au cours de la même opération d'éradiquer le marché pirate, d'enlever les épaves et des véhicules abandonnés, d'évacuer les kiosques et les garages pirates, d'interpeller les vendeurs d'eau conditionnés en sachets connement appelés eau pure, ainsi qu'évaluer les points noirs ou des charges pirates pour assurer l'assainissement des lieux. Le commissariat général
local en charge de l'environnement et aménagement de la ville de Kinshasa a invité à cet effet la population kinoise et habitants de ces sites concernés par l'opération coup de poing à prendre des dispositions nécessaires afin de se conformer aux prescrits de l'édit relatif à l'assainissement et à la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa. Les Kinois qui ne vont pas se soumettre aux exigences de ces communiqués risquent de faire face aux mesures coercitives. Les contrevenants s'exposeront aux sanctions et mesures contraignantes de l'unité spéciale de protection de l'environnement qui infligera des amendes, a averti la source. L'opération coup de poing initiée par le gouverneur de la ville de Kinshasa depuis janvier 2023 a déjà touché plusieurs communes et quartiers de la capitale congolaise. C'est faux lorsqu'on dit que le Congolais n'aime pas la lecture. Ces propos émanent de la directrice générale du Centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, Catherine Brahi, à l'occasion de la journée mondiale du livre célébrée chaque le 2 mars. Elle appelle à cette occasion les uns et les autres à se battre pour un meilleur accès aux livres. Elle est au micro de Patience Lokeke et Benny Fombo. C'est une journée très très importante et je pense que ce qui est très important de savoir, c'est que quand on dit que les Congolais n'aiment pas lire, ce n'est pas juste. Parce que ici, la bibliothèque, par exemple, est très fréquentée. Je pense qu'il y a un manque d'accès aux livres. Et donc, avec tous nos partenaires congolais, nous nous battons pour un meilleur accès aux livres pour toutes les Congolaises et tous les Congolais, qu'ils soient grands ou petits. Parce que le livre, eh bien, c'est fait pour apprendre, pour s'amuser, pour s'épanouir, pour découvrir et pour être plus heureux. Voilà. Et donc, ce que je souhaite, c'est que chaque Congolais et chaque Congolais ait accès aux livres dont il a envie. Mais en tout cas, c'est l'occasion pour chacune et chacun de se battre pour un meilleur accès aux livres pour chacune et chacun, pour chaque Congolais, qu'il soit petit, qu'il soit grand. Je pense que c'est l'occasion de se pencher sur le livre et de savoir à quel point c'est important et heureux pour chacune et chacun de pouvoir avoir accès aux livres. Et je m'inscris en faux contre tous ceux qui disent que les Congolaises et les Congolais n'aiment pas lire. C'est pas vrai. Ils aiment lire, mais ils n'ont pas accès aux livres. Et donc je crois qu'on doit continuer à se battre tous ensemble pour un meilleur accès aux livres pour chacune et chacun. Une brève dans ce journal, le contingent militaire kényan arrivé à Kisangani ne fait pas partie de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Voilà ce qu'a déclaré le général de brigade Timothée Mujinga, commandant de la 31e région militaire. Cet officier de forces armées de la République démocratique du Congo répondait au président de l'ensemble provincial de la province de la Tchopo, qui l'avait invité dans son bureau pour s'enquérir de la présence de cette force qui suscite des inquiétudes de population. L'information, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à présent à la page internationale. Selon un rapport publié par l'Association mondiale des opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile, les taux d'adoption de smartphones en Afrique devraient atteindre 87% en 2030 contre 51% en 2022. Intitulé « L'économie mobile en 2023 », le rapport de cette association précise que la région de l'Afrique subsaharienne figure parmi les régions qui connaîtront une forte augmentation de l'adoption de téléphones intelligents à l'échelle mondiale d'ici la fin de la décennie en cours. Et cela grâce à la baisse de prix de ces appareils et de la forte proportion de jeunes dans sa population. Suivez. L'adoption des téléphones mobiles ne cesse d'augmenter en Afrique subsaharienne. Les taux de ces appareils devraient atteindre 87% en 2030 contre 51% en 2022. Selon l'Association mondiale des opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile, la plupart de nouveaux utilisateurs de téléphonie mobile sont en effet des natifs du numérique qui utilisent leurs appareils pour des multiples activités autres que les appels vocaux et les SMS traditionnels. À l'échelle mondiale, les taux d'adoption des smartphones devraient atteindre 92% à la fin de la décennie contre 76% en 2022. Les rapports révèlent également que les trafics mensuels moyens de données mobiles en Afrique subsaharienne devraient quasiment quadripler d'ici 2028 pour atteindre 18 gigaoctets par utilisateur contre 4,1 gigaoctets en 2022.
Cette croissance de la consommation de données mobiles sera notamment tirée par une plus grande couverture par de réseaux mobiles à large bande, l'accessibilité de smartphones et le développement du marché du mobile gaming et du streaming vidéo. Le trafic mensuel moyen de données mobiles en Afrique subsaharienne restera cependant inférieur à la moyenne mondiale qui passera de 15 gigaoctets par utilisateur en 2022 à 45 gigaoctets en 2028. L'Association mondiale des opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile indique d'autres par ailleurs. Du reste, l'Association mondiale des opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile indique que le nombre des abonnements au réseau de 5e génération au sud du Sahara devrait atteindre 213 millions en 2030, soit 16% de l'ensemble des abonnements au réseau de téléphonie mobile à cette échéance, contre 1% seulement en 2022. La Banque des États de l'Afrique centrale a lancé le 1er mars 2023 le processus de démonétisation de la gamme de billets de banque mise en circulation en 1992. Il s'agit pour la BEAC de se conformer aux instances décisionnelles du 7 novembre 2022, en l'occurrence l'équitus du Conseil ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. Suivez nos confrères d'Africa 24. Le processus de démonétisation des billets de 1992 de la Banque des États de l'Afrique centrale a été lancé le 1er mars 2023. À cet effet, les citoyens résidents de la zone CEMAC, encore en possession de ces billets déjà âgés d'une trentaine d'années, sont appelés à se rendre dans les banques indiquées pour les échanger contre les billets de la gamme 2022. Selon le communiqué final de la session extraordinaire du comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, l'objectif ici est de retirer progressivement de la circulation tous les anciens billets, notamment ceux des gammes 1992 et 2002 au fur et à mesure de leur retour au guichet de la BEAC à partir de janvier 2024. Cette politique, cette mesure me semble la bienvenue. Ça peut permettre d'éviter comme ça quelques largesses et quelques faux billets qui peuvent être en circulation parce que certains espèces malveillées ont déjà eu l'expertise de fabriquer ces anciens billets-là. Et il faut passer à une nouvelle gamme qui peut peut-être leur donner beaucoup de travail pour pouvoir arriver à fabriquer des faux billets. Le retrait de cette gamme du circuit économique est entré en vigueur en raison de la récente injection de la nouvelle gamme baptisée BEAC Type 2020 le 15 décembre 2022. Ces coupures mises en circulation renferment notamment de nombreux éléments pour garantir leur durabilité et limiter la contrefaçon. Ce retrait des billets de 1992 de la circulation avait d'ailleurs été décidé lors de la session extraordinaire du comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale tenue le 7 novembre 2022. Plusieurs risques peuvent être évoqués pour ce qui est des anciens billets. D'abord, la première chose, lorsqu'ils n'ont plus cours légal, s'ils ne sont pas démonétisés, vous perdez en termes de pouvoir d'achat. Ça veut dire en principe que, au-delà des délais fixés par la BEAC, alors vous allez vous en prendre à vous-même, parce qu'en réalité, cet argent ne sera plus accepté par la BEAC. Donc, perte du pouvoir d'achat, s'il y a perte du pouvoir d'achat, perte de l'épargne, perte de l'investissement et autres. Soulignant que ce processus de démonétisation des billets de 1992 se poursuivra jusqu'au 1er juin 2024. Après cette date, ces billets de banque seront privés du cours légal et du pouvoir libératoire sur l'ensemble du territoire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Pour rappel, la dernière injection des billets par la BEAC date de 2002 après celle de 1972, 1982 et 1992 respectivement. Puis jusqu'à 14 millions d'emplois liés à la transition énergétique pourraient être créés d'ici 2030. C'est ce qu'indique l'Organisation Énergie Durable pour tous dans son rapport intitulé « Fabrication d'énergie renouvelable en Afrique ». Un chiffre parmi tant d'autres qui démontre les immenses opportunités qu'offre le secteur des énergies renouvelables sur le continent. Suivez. La demande africaine d'énergie devrait doubler d'ici 2030 et être multipliée par 8 d'ici 2050. En face, le potentiel du continent en énergie renouvelable devrait être la principale solution, avec notamment un potentiel solaire de 10 TWh, hydroélectrique avec 300 GW et éolien avec 110 GW. Selon les rapports de l'énergie durable pour tous, l'Afrique atteindra ses principaux objectifs de développement durable en répondant à ses besoins énergétiques par le biais de son potentiel renouvelable.
Premièrement, le continent réduira considérablement la quantité d'énergie provenant de ressources fossiles et ce qui se traduira par une baisse de ses émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, cela renforcera la capacité de fabrication locale et créera des emplois. En moyenne, l'Afrique pourrait connaître une augmentation du PIB de 6,4% entre 2021 et 2050, directement attribuable à la transition énergétique, indique le rapport. La production d'énergie renouvelable pourrait également améliorer la balance commerciale de l'énergie de l'Afrique en réduisant les dépenses liées aux importations combustibles fossiles. Par ailleurs, cela renforcera ce partenariat avec d'autres pays en avance dans les technologies de transition, notamment les pays asiatiques avec en tête la Chine. Voilà, c'est par cette information sur l'énergie que nous bouclons cette grande édition d'information. Place à présent au rappel du titre. Remise et reprise à la générale de carrière et de mine, Guy Robert Lukama, nouveau président du conseil d'administration de cette entreprise minière, et toute son équipe vient de prendre leurs fonctions. La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu ce jeudi 2 mars 2023 à Kinshasa. Voilà, c'en est fini pour ces journaux. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Vous suivrez à 21h juste l'émission Chemin Critique avec Edouard Founda. L'information continue dans le compte de Géopolis Forum, www.géopolismagazine.net et son compte YouTube Géopolis TV.